C'est pas grave, mais si là, non, je vais vous expliquer. Aïe. Les gens, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, et puis bon, là je suis apprêtée et tout, on part à l'église en fait, le dimanche dominical, hein, qui sera chic, qui sera good, qui sera béni. Là quand tu vois, tu sais, je me suis levée dans une louange pas possible. J'ai dit que hey, oh, j'ai dit que mon dimanche sera chic. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Bref, jusqu'à j'ai perdu des ongles, tout ça là, pour vous update et tout, et puis vous dit que on a une aventure encore à vivre. Je mets ce parfum-là. On a encore une aventure et tout. Ouh, ça smell so good. Ah, je me suis dit que, oh, bon, c'est le matin, il va faire chaud après. Je ne pourrai pas, bien sûr, me make-up et tout. Mais, gars, il ne doit pas bloquer quelque chose sur mon visage. Donc, je vais essayer de faire les sourcils au moins. Placage de chez Placage. Placage de chez Placage. Oh, ils sont bons, d'air. Et puis, j'ai mis ça aussi, ce déodorant là. Mais je le remets quoi. Là, je suis dans le temps. Je ne connais même pas la paroisse en question. Je vais aller dire ça au taxi, mettre là comme ça. Bon, c'est, il y a un qui a trouvé. Aïe. Ce ne sont pas des enfants. Toi aussi. Bon, c'est, il y a un dedans qui a trouvé. Donc, c'est ça que je vais faire. J'espère que d'ici là, les vlogs de Dalla vous plaisent et tout et tout. Et tout et tout, faites-le moi savoir en commentaire, parce que là, vous n'êtes pas réactif, je ne comprends pas pourquoi et tout et tout. Donc dites-moi s'il y a un truc que vous n'aimez pas et tout, faites-le moi savoir en commentaire. N'oubliez pas, likez pour m'encourager, abonnez-vous, on active la cloche de notification pour que lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, vous puissiez la voir. Donc les gens, pour ne pas rester in late, je vais m'apprêter à tout. Donc les gens, voilà, la messe est finie et tout, et là, je suis sortie. Je vais vous montrer à l'église, mais je n'ai pas pu, tout simplement parce que il y avait des gens. Mais demain, je vais retourner, donc voilà. Là, je suis dans un, où on dit, hôtel tropique. Voilà, la cour. Donc, je suis en train d'entrer sans savoir même s'ils vont m'accepter ou pas. Donc là, je vais chercher à demander si on a accès au restaurant de l'hôtel. Si oui, je vais voir comment ça y est pour me commander quelque chose. Sinon, j'espère que vous, le vlog vous plaît d'ici là. N'oubliez pas quoi, abonnez-vous, likez, commentez. Je vais briser. Moi, c'est que je veux frites en portion, une portion de frites. Vraiment, mon aloca est compliqué. Oh. Parce que je mange aloca. Ça, ça fait genre, ça se brûle un peu, parce que. Ah, faut voir. Parce que moi, c'est comme ça, j'aime mon aloca. Donc, les gens, voilà, je suis sorcier et tout. Oui, oui, c'est bon.
les gens, ça fait pas, hein. Ça fait pas. Non, ça fait pas. J'ai parlé plus de 15 minutes. Je me rends compte que le micro était branché, mais mal branché. Du coup, ça n'a pas fait. Mais c'est pas grave. Ici, là, non. Je vais vous expliquer. Aïe. Bref, petite story time d'une journée dominicale chic. Quand les gens vous ont dit que je vais à l'église. Parce que journée dominicale chic et puis bénie, là. Sans aller à l'église, ça fait pas. Non, ça fait pas. Donc, hein, j'ai arrêté mon taxi. Il faut savoir que je ne connais pas les paroisses ici. Oh non, oh que non, je ne connais pas. Mais on m'a donné le nom de deux paroisses. Pessoa et puis Sainte-Thérèse, je ne sais plus. Donc, je me suis dit, comme l'autre là, tu ne sais plus, au moins tu sais Pessoa, tu connais. Donc, j'arrête mon taxi. Oh. Je dis que Pessoa. Il dit, monte. Le taxi est vide. Mon cœur, il dit, est-ce que le monsieur là, c'est que moi-même, je ne connais pas Pessoa, il dit là. Il explique qu'il va me déposer jusqu'à devant qu'il soit là. Faut pas, il va tourner, moi, pour me dire que descend au Carrefour, qu'il soit là-bas, comme ça. Il va me montrer ça comme ça. Il dit que non, ça va pas faire. Non. Là, si le monsieur a fait ça va pas faire. Ah oui, ça va pas faire. Bref. Donc, ce qui se passe, c'est que, effectivement, il me descend devant la paroisse, en fait. Il me descend, je regarde, je me rends compte que, ça n'a rien à voir avec, genre, ça n'a rien à voir des paroisses que moi je connais, en fait. Genre, les paroisses catholiques que moi je connais, là. Où je suis déjà allée, là. Ces gens clôturés d'une manière, tu vois, donc c'est clôturé. Et puis, il y a un portail, tu entres dans le portail avant d'avoir accès à la paroisse, en fait. Il y a une grande tour. Je vois que là, c'est espace, genre, vide et tout, la paroisse, mais tu vois, quoi. Dans mon cœur, il dit que, j'avance, hein. J'avance. Mais je me dis que, pourquoi le monsieur me déposer dans une église et puis bon, je sais pas. C'est pas là-bas, moi, je veux partir parce que ma journée dominicale qui va être bénie, là. Il y a déjà prévu ça dans ma tête. Hein. Il n'y a pas autre église dedans. C'est église catholique, on s'en va aller dans le. Hein? Tu vois un peu? Bref. Donc, question me dit, ma blanche, tu es déjà là, non? Faut avancer. Si tu avances, que tu commences à remarquer les choses que tu n'as jamais vues, tu te retournes, hein? Ah oui. Ah oui, tu te retournes. Ce qui s'est passé. Donc, je me rends compte de la tenue des services d'ordre et tout. J'avance vers la première entrée et la dame en question me fait savoir que de passer à l'arrière. Bon, elle me dit à l'arrière, moi je ne suis jamais venue là-bas. À l'arrière, j'avance en fait. Et j'arrive à l'arrière. Je veux rentrer par l'entrée principale maintenant. D'autres services d'ordre me font comprendre que j'en vais derrière. Je me dis, oh, c'est une histoire de derrière. Mais j'obéis parce que je ne connais pas en fait. Donc, j'avance et je me rends compte que. Il y a, comment on appelle, à l'arrière, on me dit de partir là, c'est à la grotte. Et à la grotte là, il y a des gens qui sont assis là-bas. Je m'assois, je salue, je m'assois. Jusqu'à, ils regardent les 8h10. 8h10 en principe là. On est vraiment au début de la célébration, tu vois. Mais je me compte 8h10 là. Il y a un autre serviteur qui vient qui dit que ceux qui communient avancent. Il dit que, oh, il est 8h10, c'est quelle histoire de communier à 8h10? C'est dans quelle église? Il fait plus changer de ville, là. Moi, changer dans l'église catholique, là. Ah, ça, on m'a pas dit. Donc, je me précipite d'une manière, il dit que, c'est bizarre. Donc, je me tourne. Il y a une maman qui était derrière. Quand je me suis assise, là, j'ai salué. Les gens, c'est important de saluer. J'ai salué. Et la maman en question, la nourriture sent bon, les gens. Nya! Donc, la maman en question, là, elle me fait savoir que, je lui demande, ah maman, excusez, mais la messe a commencé à quelle heure? Elle dit, elle-même, là, elle vient d'arriver. Donc elle dit, ah, je comprends pourquoi tu es assise à la grotte ici. Parce que s'il y a quelqu'un qui est en retard, c'est nous deux. Ah oui. S'il y a quelqu'un qui est en retard, c'est nous deux. Et ça veut dire que tout le monde de ceux qui étaient à la grotte, dont moi, on était en retard. Donc elle me dit, non, elle ne sait pas. Par contre, quand je lui demande s'il y a une autre messe, elle dit, généralement, il y a deux messes. Je dis que bien, cette partie-là, je retiens deux messes. Donc, il y a deux messes, c'est cool. Enfin, c'est cool en fait. Donc, il y a deux messes. Je me rends compte que, effectivement, ce qu'elle dit là, elle n'a pas menti. Elle n'a pas menti quoi. Parce que, s'il y a deux messes, c'est normal qu'à 8h10 là, on soit sur côté communion. Peut-être que la même façon, ça à 6h ou bien 7h, truc comme ça. Tu vois un peu. Donc, il ne dit rien. Ok, bon, comme ça commence, il y a une deuxième messe. Moi, j'ai avancé, genre, je me suis retournée vers le côté de la chapelle pour maintenant aller faire mon chapelet du jour, en fait, tu vois. Chapelet même qu'il y a oublié à la maison. Mais donc, j'ai fini de faire mon chapelet et je vois que maintenant, ils ont mis une petite musique d'une manière là. Donc, je suis entrée dans l'église. Je suis en l'église et wouh!
Non, c'est pas ta. Zozo, ça c'est pas dans le carton. Hein. Ça c'est pas dans le carton, ça c'est zo, c'est pas dans quoi, mais c'est zo. Donc, hein, je regarde l'église, non, je veux filmer. La musique blanche, il faut te calmer. Quand l'église, quand la messe va finir, tout le monde va sortir là. Tu auras l'église pour toi, non? Parce que généralement dans l'église là, on ferme pas ça comme ça. C'est une odeur dimanche là. On ferme pas. On ferme ça à 27 heures, tu vois. Donc, quand tout le monde va sortir, quand les choristes vont passer, j'aurai le temps de bien filmer, genre la paroisse, tu vois un peu. C'est ça qui faisait ça au début. C'est ça qui faisait ça au début. Bref, je ne savais pas. Donc là, ce qui se passe, c'est que ici dans mes récits, récits, je m'assois au deuxième banc. Voilà. Premier banc maintenant, c'est genre équipe liturgique qui s'assoit là-bas en fait. Parce que j'ai vu, il y a un monsieur, un jeune homme qui avance, non? Il s'assoit, il peut me saluer, genre bonjour, avec un sourire d'une manière. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, on lave la main là-bas. Donc je vais laver ma main et venir me lever ici. Tiens, les enfants, ça fait boudin. Ah, je sais que ça me 6 000 ans. C'est à dire. Ça fait. Articulé. Et puis ça vient en portion. Mais, les gens, ils ont pensé que quoi? Les gens, il y a ce qu'ils ont envoyé. Jean, il est venu m'asseoir pour faire comme ça. Ok. Ok. Jean. En fait, mon plat ici. Ah, ça fait. Tu vois mon attaqué là? Ça est poulet, là, tu sens. Tu sens un poulet là. Ils ont regardé le poulet. Très bien assaisonné. Tiens! Bon, ça, il veut pêcher. Hein. Vous allez payer les patas, les cœurs, les pêches de cœur pour courir. Ça courir dans ma bouche, il est fait. Mais c'est moi qui dis qu'il y a des péris. Hein. Mais c'est moi qui dis qu'il y a des péris. Mais donc, je vais rapidement finir de manger. Et puis. Je suis déchargée même en fait, c'est ça qui m'énerve en fait. D'habitude, je sors avec mon chargeur. C'est pas ce qui m'a appris aujourd'hui là, hein. Je suis sortie comme ça. Je vais finir et puis bah, voilà quoi. J'ai copieusement bien mangé. Ah ça, oui. Jusqu'à ce que je me suis prise une autre.